Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis, je me dépêche, ma caméra elle fait que de la merde, c'est un peu le bordel. Et donc là nous sommes aujourd'hui sur le fameux parking où il y a vraiment personne, c'est pas un chat ni rien, ça c'est génial. Et aujourd'hui nous allons faire la fameuse, le fameux panneau LED immense. Le truc qui doit à peu près éclairer comme à peu près une 2000 watts. C'est impressionnant, c'est un énorme four le bordel. Et heureusement tout est géré. On va dire en solaire, mais qu'est-ce que c'est lumineux ce truc de ouf, c'est impressionnant. Mais j'ai remarqué un truc, c'est quand même bizarre, c'est que bah il y en a certains, ils ont des panneaux, ils sont complètement éclatés. Alors il y en a certains, ils manquent, mais regardez comment c'est hyper lumineux de partout, c'est une dinguerie. C'est vraiment de la LED et franchement il n'y a pas de superflu en lumière machin, c'est vraiment on est dans le si c'était de la 2000 watts. Je pense que c'est l'équivalent de 2000 watts. Hein. Mais tout ça en full LED. C'est impressionnant de dire quand même que ces trucs-là, alors ils ont à peu près une pas mal d'années. Bon, après, il y en a des versions qui ont été un petit peu, notamment ceux qui sont derrière, un petit peu plus jaunis. C'est vraiment les premières générations. Ils commencent vraiment un peu à tomber une par une. Et c'est pareil, c'est le même système que tous les éclairages LED. Il y a toujours un driver ou plusieurs. Là, en fait, je remarque qu'il y a 4 drivers et pas 6-8. Parce que j'ai vu, il y a peut-être 2 drivers pour une seule panneau LED, mais non, en fait, non, il n'y a qu'un driver. Donc, en fait, il y a des endroits, il y a carrément un driver, 2, 3 ou 4, ou carrément l'entièreté du panneau qui est éteint. Mais en fait, c'est impressionnant de se dire qu'en fait, c'est hyper lumineux. Franchement, c'est ce qu'il me faudrait, moi, en fait, un terrain comme ça, avec plein de lumière comme ça, ce serait bien ça. Je pourrais faire des belles vidéos et tout. Mais en gros, c'est impressionnant de se dire que dans un parking aussi imposant, parce que je vous garantis, là, le truc, ça paraît pas, mais le luminaire, il est à facilement. Ouais, il a facilement 14 mètres de haut, 12 à 14 mètres de haut. Mais vous imaginez pas le bousin, comment qu'il est de bas. Parce que là, je vous garantis, ça se voit pas, on va dire en vidéo. Mais comme je vous avais montré le dernier coup, au niveau d'un candélabre, c'est impressionnant la taille du candélabre. Hein, je vous mens pas. Je vous fais comme ça. Allez. Hein, je vous le dis, c'est quand même impressionnant de se dire que le candélabre, à l'intérieur, il y a quand même aussi le système de batterie. Parce que le système de batterie est quand même dedans. Mais c'est surtout, comme on avait vu, justement pour ça, le contour du diamant du bordel. Ça doit être un immense massif qui est fait en béton là-dessus. Parce que mama, pour voir l'éclairage, c'est impressionnant alors qu'il est, il y a encore du monde qui tourne. Alors bien sûr, ils ont fait un peu partout comme dans tous les Leclerc maintenant. Hein, c'est des panneaux photovoltaïques de partout, donc du coup ça c'est bien, ça s'autogénère. Mais le problème c'est qu'en fait c'est impressionnant de se dire quand même que l'éclairage LED de ce truc là, il est moins, on va dire il est bien espacé en fait, photométriquement il est bien espacé, on peut le voir, ça va, c'est pas trop lumineux, ça paraît, bon après il faut pas s'amuser à faire comme nous les gros mongols à regarder la lumière, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a? Mais après, ce que je veux dire, poser les yeux. Ah oui, mais c'est ça, on est tous comme des gros mogols, nous, en tant qu'éclairage, on adore ça, donc on regarde tout ça bien comme il faut. Surtout ces deux là, elles balancent fort. Ah ouais, alors là, on est juste en face du flux là. Là, en fait, le problème, c'est que le flux de celui-là éclaire au maximum là. Mais en fait, il éclaire partout pareil en fait. Même sous les panneaux solaires, oui, ils ont même pas mis de néon. Ça a pas besoin, ça éclaire taf, ça fait son taf, c'est suffisant. Même là, bon là, bah, pareil, oui, il y a un endroit, c'est un peu compliqué. Mais sinon, maman, c'est impressionnant. Comment que le parking, il est éclairé sans avoir une zone d'ombre. Bon, à mon avis, les trucs, ils ont été installés un peu plus récents, les panneaux photo LED, là. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, le parking, il est 100% full éclairé. Mais en fait, c'est drôle parce qu'en fait, on voit au niveau du Leclerc qu'arrive un moment, paf, la lumière s'arrête pile, en fait, vraiment au niveau du hauteur. C'est vraiment drôle. Mais c'est quand même impressionnant quand même qu'on se dit. Mais là, par contre, si vous voulez, ce que je ferais, ça peut être un délire, mais je pense que je m'amuserais à rechercher plus de docs approfondis dans une vidéo bien spécifique, genre style à la recherche du panneau LED. Mais je rechercherais plus d'infos approfondies sur cette puissance-là, surtout, parce que j'ai hâte de voir ça. Bon, je sais que c'est des hauts, donc ça je sais. Mais on avait fait une recherche, je crois que c'était même Thibaut qui est à côté de moi qui avait fait une recherche déjà une fois, je crois que c'était ça. Et on avait retrouvé quelques docs. Donc du coup, on va rechercher ça dans la semaine. Et je ferai vraiment une vidéo dédiée sur ce machin-là. Le truc, il doit faire au moins facilement 2 mètres, voire 3 mètres.
Parce que vu la taille, ça me fait penser à peu près à la dimension d'une ligne haute tension. Ça fait une espèce de tête de machin, la haute tension. Mais quand on voit la hauteur et le machin, ça fait vraiment penser à du 3 mètres de large. Donc ce serait pas étonnant. Mais franchement, je suis bien content de connaître un quartier en LED, mais ultra vénère, mais vraiment, qui t'arrache bien la tronche. Bon, il y a des endroits, il y a des panneaux, ils sont à moitié éclatés, c'est bien dommage, là, il ne reste plus qu'un panneau LED sur les quatre dessus. Mais le poids du bousin, surtout, il doit être bien immense. Mais bon, ça, je vous retiendrai au courant pour une vidéo bien dédiée sur cette lumière-là, parce que j'ai hâte de faire ça, je suis hypé pour ça, de faire une vidéo dédiée à cet éclairage-là. Je voulais voir ce quartier-là parce qu'on en a beaucoup parlé depuis longtemps. L'éclairage de ce gros panneau LED avec ça. Et donc, je suis bien content. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça, bien sûr, en détail. Je vais faire des photos et tout ça. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, c'est bien. Je suis bien éclairé, c'est bien ça. Donc, comme de bien entendu, bah, fais pas faux, hein.